Salut tout le monde, c'est Marie-Charlotte de la médiathèque de Saran. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer des histoires de Noël. Parce que Noël arrive très très bientôt et il faut qu'on soit bien préparé pour la venue du Père Noël. Alors tous ensemble, on va chanter, on va raconter des histoires, on va faire des petites comptines. Vous êtes prêts? Ouais? Eh bien c'est parti! Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Je dors. Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Oui, je me réveille. Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Je mets mon manteau rouge. Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Oh, je mets mes grandes bottes. Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Je mets ma hotte. Toc toc toc, Père Noël, es-tu là? Oui, je sors. Et je viens avec tous mes cadeaux. Joyeux Noël! Et oui, le Père Noël va arriver très très vite. On va lire une petite histoire. L'invité de Noël. Demain, c'est Noël. Le sapin est décoré. Les souliers sont installés. Le gâteau est prêt. Le couvert est mis. La maison est toute propre. Aujourd'hui, c'est Noël. Oh non, quelqu'un a sali le tapis. Quelqu'un a sali une assiette. Quelqu'un a mangé une part du gâteau. Quelqu'un a dérangé les souliers. Quelqu'un a cassé une branche du sapin. Oh mais, regardez sous le sapin. Mais qui donc est passé par là? Moi, j'ai une petite idée. Et vous? Et si on chantait tous ensemble? On va chanter la chanson qui s'appelle « L'as-tu vu ?» Si vous la connaissez, vous chantez. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Le petit bonhomme, le petit bonhomme, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Le petit bonhomme au chapeau pointu. On l'appelle Père Noël par la cheminée, par la cheminée. On l'appelle Père Noël par la cheminée, il descendra du ciel. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et c'est pour vous. Alors, et si on racontait une autre histoire. Vous êtes prêts? Cracra Noël. Taratata les lutins. Le cadeau pour le Père Noël, c'est pour plus tard, dit le grand renne. Pourquoi? Demandent les lutins. Bah oui, pourquoi? Demande le Père Noël. Pour ça, s'écrie le grand renne. Oh, cracra Noël, s'écrient les lutins. Eh bien,
Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, s'exclament les trois compères. À la machine, cracrabonnet. À la machine aussi, cracramanteau. Burk. À la machine, cracrachaussette. Hop. À la machine, cracrachemisette. Zou, cracrapantalon. À la machine. Mon cracra slip aussi, à la machine ? Demande cracra Noël. Bah évidemment, qu'aucun cracra Noël. Tout nu et plouf, au bain. Et maintenant, je peux avoir mon cadeau ? Supplie cracra Noël. Oui, surprise et joyeux Noël, cracra Noël. Et voilà, même le Père Noël, il doit prendre son bain pour être bien propre. Et si on chantait tous ensemble? Ma chanson s'appelle « Le Noël du bois joli ». Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Hop là, jamais on ne l'attrapera. Il saute, les lutins dessus la neige. Il saute, les lutins du bois joli. Ils ont bondi par ici, ils rebondiront par là. Hop là, ils s'en vont couper du bois. Il brille, le sapin couvert d'étoiles. Il brille, le sapin du bois joli. Il s'est caché par ici, il se cachera par là. Hop là, les lutins ne l'auront pas. Il baille, le gros ours dans sa caverne. Il baille, le gros ours du bois joli. Il s'est installé ici, il a mis son pyjama. Hop là, bientôt il s'endormira. Il vole, le traîneau du Père Noël. Il vole, le traîneau au-dessus du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Hop là, il passe au-dessus des toits. Quelle aventure, hein? Il s'en passe des choses dans le bois joli. D'ailleurs, on a parlé des petits lutins. On va reprendre ses petites mains. Petit lutin, réveillez-vous! Le Père Noël a besoin de vous. Le premier achète tous les jouets. Le deuxième les emballe à sa façon. Le troisième leur met une jolie ficelle. Le suivant inscrit le nom des enfants. Et le petit dernier va tous les distribuer. Petit lutin, merci beaucoup. Pour l'an prochain, reposez-vous. Et oui, le Père Noël a beaucoup besoin de ses lutins, s'il les aide bien. Et si je vous rechantais une petite chanson? C'est juste le début, vous pourrez chanter la suite à la maison. Dans son manteau rouge et blanc, sur un traîneau porté par le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Vous les entendez, les petites clochettes du Père Noël? Il faudra les guetter le soir de Noël.
D'ailleurs, en parlant de clochettes... Bonjour, Père Noël. Ching, 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 ching. Bonjour, Père Noël. Bonjour, mon grand. Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année? Une maison de poupées. Oups! Je viens de distribuer la dernière. Attends un peu. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Waouh! Merci, Père Noël! Ching, 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 ching. Bonjour, Père Noël. Bonjour, mon enfant. Rappelle-moi ce que tu as commandé. Une balançoire. C'est bien ce qui me semblait. Je n'ai plus de balançoire dans ma hotte. Mais ce n'est pas grave. J'ai une idée. Accroche-toi, c'est parti! Merci, Père Noël! Ting, 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 ting. Bonjour, Père Noël! Salut, toi! Tu as encore grandi! Alors, il y avait quoi sur ta liste? Un costume de super-héros! Zut! Je n'en ai plus. Ben, sinon, un costume de Père Noël? Ça m'apprendra à vouloir faire plaisir aux enfants. Père Noël, attends! Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. C'est le costume de l'an dernier, il ne me va plus. Ah! Merci, ma grande. Avec ça, j'aurai moins froid. Tching, 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 tching. Oh, le voilà, le voilà! Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah! Joyeux Noël! Oh! Est-ce que vous avez fait votre sapin pour attendre le Père Noël? Oui, moi je vais vous donner une petite recette. Vous êtes prêts? Il nous faut un sapin jusqu'au plafond, deux guirlandes de crépons, trois boules de cotillons, quatre étoiles de carton et cinq sachets de bonbons. Et surtout, 10 gentils petits doigts qui vont accrocher tout ça. On chante? Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime tes racines. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ton écorce. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ton abri. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime tes petites pignes. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime tes aiguilles. Mon beau sapin... Oh? Oh? Ben! Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est pour qui? Wow! Youpi! Waouh! C'est beau! Joyeux Noël, mon beau sapin!
une dernière petite histoire? Coco Noël. Et si j'allais faire un petit tour dehors? Oh! Le bonnet du Père Noël? Il l'a abandonné. Tiens! Les bottes du Père Noël. Il a mis des sandales. Ça alors? Le manteau du Père Noël. Il n'en a plus besoin. Incroyable! Oh, le pantalon du Père Noël. Il a enfilé un maillot de bain. Je rêve ou quoi? Ce sont bien les rênes du Père Noël? Il nous a laissé du grain. Merveilleux! Voilà le traîneau du Père Noël. Il est parti dans un avion. Oh, youpi! Je vole! Oh, regardez là! Voilà nos cadeaux! Ouf! C'est fatigant, hein, d'être le Père Noël. Tu as vu, Coco? Le Père Noël t'a apporté un cadeau. Cher Coco, merci pour ton aide. Moi, je suis en vacances à la plage. Bisous et à l'année prochaine. Signé le Père Noël. Oh, un palmier de Noël! Et voilà. Mes petites histoires de Noël sont terminées. J'espère qu'elles vous aideront à l'attendre Noël. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.